Nous allons reprendre le voyage parce que cette fois-ci, nous allons aller tous ensemble en Amazonie. Nous transporter tous en Amazonie et je crois que c'est important qu'on fasse ce détour par l'Amazonie parce que cette forêt est importante, parce que le combat des hommes qui sont là-bas est important. Alors je vais appeler deux groupes. Okay, for those of you who aren't paying attention because you're listening in English, could you all please be seated now? We are about to start, and it would be very polite to Isabelle if you did. C'est mieux en anglais. Hier, on a entendu déjà leur témoignage au Palais de l'Élysée. Je voulais juste vous lire une phrase qu'ils nous ont dit. Nos forêts sont détruites, nos fleuves sont empoisonnés, nos enfants sont assassinés, notre terre souffre. Alors je crois qu'on leur doit de les écouter. On a deux groupes qui nous viennent d'Amazonie. Le premier des Indiens de Sarayaku, Madame Patricia Gualingua et Monsieur Félix Santi. Madame Patricia Gualingua est fille du chaman Don Sabino. Cette communauté, la communauté Sarayaku, elle est du côté de l'Équateur, la partie de l'Amazonie qui est du côté de l'Équateur. Et elle s'est opposée récemment aux compagnies pétrolières de manière assez forte, qui voulait s'implanter sur ce territoire. Et elle a obtenu les excuses publiques du gouvernement équatorien. Donc je vais les appeler. Je vais aussi appeler Madame Valdevis Véron, Monsieur Nathanael Villarva Cáceres, qui, eux, viennent de l'Amazonie brésilienne, du côté du Mato Grosso, et qui représentent le peuple Guarani Kaiowa. C'est un peuple qui est en train de se faire expulser progressivement et dont le calvaire a été raconté dans un film que certains d'entre vous ont sûrement vu, La Terre des Hommes Rouges, qui a été diffusé sur Arte. Valdevis Véron, qui est la porte-parole emblématique de ce peuple, est la fille d'un grand chef, du grand chef des Guarani Kaiowa, qui a été assassiné dans des conditions qu'on ignore encore. C'est la première fois qu'elle vient comme ça, en dehors du Brésil, pour lancer ce cri d'alarme. Alors je vais les inviter, les uns et les autres, à venir pour nous raconter et nous témoigner de leur combat. Cortou a frase. Já funciona. Gracias por remitir la invitación a la Amazonía del Ecuador, al pueblo quichua de Sarayaku. Merci d'avoir invité à être parmi vous aujourd'hui le peuple quechua de Sarayaku. El pueblo quichua de Sarayaku es un pueblo de raíces ancestrales. Le peuple Sarayaku est un peuple dont les racines sont ancestrales. Su nombre es puesto por los grandes sabios y pensadores Sarayaku, que significa río de maíz. Le nom que les anciens de notre peuple lui ont donné, c'est Sarayaku, la rivière du maïs. Aquí hemos venido para sumar la conciencia para salvar la planeta con estos grandes pensadores, filósofos que están aquí en este evento.
Et nous sommes vraiment fiers d'être ici et de pouvoir contribuer avec l'ensemble des grands penseurs qui sont réunis tous ici à travailler sur la réflexion autour de la conscience de la planète. A raíz de que el pueblo quichua de Sarayacu es heredado por los ancestros, nuestra visión del pueblo Sarayacu se relaciona mucho más con la espiritualidad, con los seres protectores de la naturaleza. Nous sommes un peuple ancien, mais ce qui nous caractérise le plus, c'est que nous sommes un peuple qui fonctionnons en relation directe avec les êtres de la nature, ce sont eux qui nous guident. Por eso estamos en espera de que en el COP 21 decidan sabiamente los estados sobre el cambio acelerado que se está provocando el calentamiento global. C'est pour ça que nous sommes pleins d'espérance que lors de la COP, les chefs des grands gouvernements décident avec sagesse de prendre des décisions face à ces changements accélérés qui se déroulent actuellement. Además, la defensa del territorio, la conservación de los recursos existentes en nuestros territorios no es solamente para el pueblo de Sarayacu, sino para toda la humanidad del mundo, para las futuras generaciones que vienen en el posterior. La défense que nous faisons du territoire de Sarayacu et toute la lutte que nous menons pour défendre nos ressources et la forêt et la biodiversité, c'est pas seulement pour nous, c'est pas seulement pour nos enfants, c'est pour l'humanité et c'est pour toutes les générations qui viendront après. Esperamos que nuestra propuesta, nuestra conciencia sume en los corazones de quienes estamos presentes y que sea transmitido a los gobiernos de toda el parte del mundo que van a estar partícipe en el COP 21. Gracias. Nous espérons que notre conscience monte vers l'ensemble des chefs de gouvernement qui seront réunis très bientôt. Había una pregunta y decía, ¿por qué estoy yo aquí? Yo pensé, estoy aquí porque es el momento de la unión de la espiritualidad, la conexión del cielo y la tierra, el reconocimiento de la visión y la conexión de los pueblos indígenas con la naturaleza. Il y a une question qu'on me pose. On me dit, la question, je me suis dit, pourquoi je suis ici? Et je pense que je suis ici parce que c'est le moment. C'est le moment de l'union, c'est le moment de l'union du ciel et de la terre, c'est le moment de l'union de la connaissance, c'est le moment de l'union des spiritualités. Los pueblos indígenas siempre hemos dicho lo que ahora aquí se está hablando y por eso hemos resistido que entren en nuestros territorios a destruir las industrias extractivas. Por eso somos gente de acción. Nous, les peuples autochtones, nous vivons depuis toujours en connexion avec notre territoire et c'est pour ça que sans relâche, nous luttons contre les entreprises extractivistes qui veulent détruire notre vie, parce que c'est notre vie. Somos pueblos que están clamando el cambio global. Somos pueblos que estamos clamando la comprensión. Y ya no queremos ser las víctimas solamente, queremos ser parte de la transformación global. Nous sommes les peuples qui clamons un changement global. Nous sommes les peuples du changement, nous ne sommes pas des peuples victimes. Por eso, como Sarayacu, pensamos que es necesario reconocer una categoría más, que se llama selva viviente. No es un parque nacional, no solo habla de personas y árboles, habla de la naturaleza en su integralidad, con aquellos seres espirituales protectores de la naturaleza. C'est pour ça que nous, peuple quichua de Sarayacu, nous pensons et nous savons qu'il faut reconnaître une catégorie de plus, non pas une nouvelle catégorie d'air protégé, mais Kaosa et Satcha, la forêt vivante, des territoires où l'ensemble des êtres de nature peuvent vivre en paix et aux côtés desquels les êtres humains peuvent se ressourcer. Esos espacios de vida, de regeneración de la vida, como la Amazonía, que es el pulmón del mundo, no puede ser destruida por pretextos económicos. Tiene que ser conservado y nosotros estamos ahí luchando para que eso suceda. Con el apoyo de ustedes, eso va a ser realidad.
Et ces espaces de vie, hein, et ces espaces de vie ne peuvent être détruits pour des raisons économiques. Et nous, les peuples autochtones, nous allons continuer à lutter. Et avec l'aide de tous, nous allons y arriver. Gracias, por fin, por reconocer que hay una sola espiritualidad con distintos rostros. Muchas gracias. Em nome do povo Guarani Kaiowá, quero cumprimentar a todos os senhores presentes. En nom du peuple Guarani Kaiowá, je veux saluer tous les gens qui sont présents. Quero dizer a vocês, senhores, je voudrais vous dire, monsieur, clamar pela terra e pela vida. Pour que vous criez pour la terre et pour la vie. Aqui nós estamos vários países, vários povos. Nous sommes ici plusieurs pays et plusieurs peuples. Mas que possamos juntos dar as mãos. Mais ensemble nous devons donner les mains. Pela nossa terra. Pour notre terre. Pela nossa vida. Pour notre vie. Nesse momento. En ce moment. Estamos escrevendo uma nova história para o nosso planeta. Nós estamos tentando escrever uma nova página para o nosso planeta. Pensando no futuro das nossas gerações. Pensando no futuro das futuras gerações. Como povo indígena. Como povo indígena. Agradeço. Je remercie. O convite. L'invitation. De estar aqui. D'être ici. E passo para minha companheira Valdelice trazer mais palavras. E je donne à ma compagne Valdelice pour parler. Cumprimento a todos. Je vous salue tous. A todas. À toutes. Em nome do Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Então, meu nome é Valdelice Veron. Je suis Valdelice Veron. Sou da etnia Kaiowá. De l'ethnie Kaiowá, de Mato Grosso do Sul, Brasil. Atuo em defesa do Tecorrá, isto é, do modo de vida tradicional do meu povo Guarani Kaiowá. J'agis en défense du Tecorrá, c'est-à-dire du modo de vie traditionnel de mon peuple Guarani. Luto contra o genocídio e o etnocídio que se praticam no Brasil, no Mato Grosso do Sul, desde a chegada do colonizador, no século XVI. Preciso de ajuda. Meu povo pede socorro. Sou apenas a porta-voz de um povo que não quer morrer em silêncio. Nosso único desejo é viver em paz nas terras onde nascemos, onde estão enterrados nossos antepassados. Não somos seres folclóricas. Somos pessoas vivas. Je me bats contre le génocide et l'ethnocide pratiqués au Brésil depuis l'arrivée des colonisateurs au XVIe siècle. J'ai besoin d'aide. Mon peuple crie au secours. Je ne suis que la porte-parole d'un peuple qui refuse de mourir en silence. Notre seul désir est de vivre en paix sur la terre où nous sommes nés, où sont enterrés nos ancêtres. Nous ne sommes pas des êtres folkloriques, mais des êtres vivants. Sou uma guardiã das florestas, cuja única ambição é de assegurar para seus filhos o testamento verde, que consiste na preservação da natureza, a relação respeitosa do meu povo para com a terra, a fauna, a flora, é uma mera expressão do modo de vida Kaiowá. Nossos territórios estão sendo destruídos por homens gananciosos, cujo único objetivo é de enriquecer com o abastecimento do mercado internacional, com soja, carne, a cana do etanol. Para nós, o flagelo é o biocombustível. O etanol é feito com sangue que jorra de nossas veias e que inunda a terra Kaiowá.
Je suis une gardienne des forêts dont la seule ambition est d'assurer à ses enfants le testament vert, synonyme de préservation de la nature. La relation respectueuse de mon peuple envers la terre, la faune et la flore est une simple expression du mode de vie de Kiowa. Nos territoires sont en train d'être détruits par des hommes avides dont le seul but est de s'enrichir en approvisionnant les marchés internationaux de soja, des viandes, des cannes à sucre. En ce qui nous concerne, le fléau est l'agrocarburant. L'éthanol est en fait, il est fait du sang qui jaillit de nos veines et inonde la terre Kiowa. Também exigimos a estrita aplicação pelos países signatários da Convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Esta prática está na base da exportação ilegal de madeira e em outras palavras, de uma usurpação criminosa que conduz os povos indígenas a uma calamidade, a uma dizimação. Nous exigeons également la stricte application par le peuple signataire de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette pratique est à la base de l'exportation illégale des bois, en d'autres termes, d'une usurpation criminelle qui mène les populations autochtones à une calamité et à la décimation. Durante suas viagens ao redor do mundo, o cacique Raoni Megaron tomaram consciência que os problemas que eles enfrentam são similares aos de quase todos os povos autóctones do mundo. Unidos com outras lideranças tradicionais e seus aliados, eles vão então oficializar durante a COP21, o lançamento da Aliança dos Guardiões da Mãe Natureza, que é para mim e para todos os que já aderiram a essa ideia, um caminho de esperança, eis onde se encaixa a nossa resistência a esses males que destroem o meio ambiente, do qual depende nossa sobrevivência. Au cours de leur voyage autour du monde, les caciques Raoni et Megaron ont pris conscience que les problèmes auxquels ils sont confrontés sont similaires à ceux de presque tous les peuples autochtones du monde. Agissons ensemble avec d'autres chefs traditionnels et aussi quelques alliés, ils vont lancer officiellement lors de la COP21 l'Alliance des gardiens de la mère nature, qui est pour moi et pour tous ceux qui ont adhéré à cette initiative, un chemin d'espérance. Voici où s'intègre notre résistance aux maux qui détruisent l'environnement dont dépend notre survie. Aqui estou para reivindicar leis internacionais realmente obrigatórias antes da construção de novas barragens hidrelétricas gigantescas, leis que consigam realmente impor, antes do início das obras, como pré-requisito essencial, o cumprimento das recomendações do relatório final da Comissão Mundial de Barragem, no ano 2000, a Aliança lutará pelo desmantelamento das grandes barragens que foram construídas em violação do direito à consulta prévia das populações indígenas afetadas, conforme estabelecido na Convenção 169 da OIT. Je suis ici pour réclamer des lois internationales réellement contraignantes avant la construction de nouveaux barrages hydroélectriques géants, des lois qui parviennent à imposer effectivement, avant le début des travaux, comme condition sine qua non, que l'ouvrage soit en conformité avec les recommandations du rapport final de la Commission mondiale des barrages établi en l'an 2000. L'Alliance se battra pour le démantèlement des grands barrages qui ont été construits en violation du droit à la consultation préalable des peuples autochtones affectés, tel que stipulé dans la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. Enfin, sollicito das instâncias internacionais o reconhecimento da noção de crime contra as gerações futuras, noção que deve definir o ecocídio. Isto é o crime da destruição parcial ou total dos ecossistemas de um território específico. Tal medida pode começar pela alteração do Estatuto de Roma, modificação de qualquer chefe de Estado, onde qualquer chefe de Estado pode propor. Enfin, je demande aux instances internationales la reconnaissance de la notion des crimes contre les générations futures.
notion qui devrait définir l'écocide, c'est-à-dire les crimes de destruction partielle ou totale des écosystèmes dans un territoire spécifique. Une telle mesure peut débuter par les changements du statut de Rome, modification que n'importe quel chef d'État peut proposer. O mundo encontra-se em uma encruzilhada. Os direitos ancestrais dos povos indígenas brasileiros, reconhecidos pela Constituição brasileira, estão em risco. Nossa sustentabilidade cultural, econômica e social depende de terra e vida. A Mãe Terra também precisa de seus guardiões, precisa do povo originário, pois eles não sucumbiu nas mãos da ganância e do progresso ilusório. Devemos nos unir uns aos outros, guiados por esses guardiões que nos conduzem de volta à terra. Somente assim poderemos conquistar nosso futuro, juntos com todos os povos que lutam para que o planeta Terra possa ainda respirar. Le monde est à croisée des chemins. Les droits ancestraux des Indiens du Brésil, reconnus par la Constitution brésilienne, sont en danger. Nos soutenabilités culturelles, économiques et sociales dépendent de la terre et vie. La terre mère a aussi besoin de ses gardiens, elle a besoin du peuple originaire, puisque celui-ci n'a pas succombé entre les mains de la cupidité et du progrès illusoire. Nous devons nous unir les uns les autres, guidés par ces gardiens qui nous ramènent à la terre. C'est seulement ainsi que nous pouvons conquérir notre avenir, ensemble avec tous les peuples qui se battent pour que la planète puisse encore respirer. Sou Valdelice Verón, Kaiowá. Sou filha do cacique Marcos Verón, assassinado em 2003, como 289 outras pessoas do meu povo que foram massacrados pela ganância nos últimos 10 anos. Crianças, mulheres, idosos e homens na flor da pele foram todos mortos. Eu mesma estou marcada para morrer. Muito obrigado. Je suis indigène, fière d'appartenir à l'ethnie Kaiowá. Je suis la fille du cacique Marcos Verón, assassiné en 2003, comme 289 autres personnes de mon peuple qui ont été massacrées par les grands propriétaires fonciers pendant la dernière décennie. Deux enfants, des femmes, des personnes âgées et des hommes dans la fleur de l'âge. Moi-même, je suis menacée. Merci.